Salut à tous, c'est Shirika, j'espère que tu vas bien, en tout cas moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le jeu On Rush. Donc du coup on va faire une petite course, on va voir si on va bien avancer. Reste près de tes coéquipiers et soutiens leur défense. Quand tu es là, tout le monde se sent plus fort. Active ton réservoir de rush et laisse une série de ralentisseurs dans ton sillage pour faire des cibles faciles pour ton équipe. Elle est contagieuse ton énergie! Donc du coup là le but c'est de vraiment rester avec l'équipe. Je sais pas s'il va avoir ce qui va se passer le long de la course. On va essayer de finir premier, on va essayer de passer les choses comme d'habitude. Donc si ça dure pas trop longtemps je te mets deux courses. Si ça dure assez longtemps il y aura qu'une seule course aujourd'hui. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais le but c'est de gagner. Ah, ça commence déjà très mal. Attends, j'ai l'impression d'être une victime. Appelle-moi maintenant le plaisir de meuf. Tu sais que je suis en train de filmer là. Merde. Voilà, je suis en train de faire ma course sur Home Rush, je suis toujours sur la partie agressive. Sauf que vous voyez un petit peu le phénomène que je me tape à chaque fois, tu vois, hein. Donc maintenant sur sa chaîne, vous pouvez aller dessus et c'est le plaisir des meufs. Ah merde, je savais pas que t'étais en vidéo. Bah je me suis dit, ok. Putain, j'ai m'explosé la gueule. Je fais Rocket League, voilà, tu vois, en 3v3, j'ai déjà fait mes 10 matchs, et là, j'attendais après toi, je voulais pas aller en entraînement, j'aurais pu aller en entraînement, mais j'avais pas envie d'aller en entraînement. Et je fais, tiens, j'ai commencé à faire Home Rush. C'est un style de burnout, et franchement, il est plutôt stylé, j'aime bien. Les courses, ça dure vraiment pas longtemps, donc j'ai dit, je vais aller dessus. Mais bon, on se fait surprendre par certaines personnes qui arrivent pendant que tu enregistres. D'habitude, t'es plus long quand tu vas manger, toi. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Ah ouais, mais là, tu vois, j'ai... Bon, en fait, j'ai pas beaucoup mangé. D'accord. C'est parce que t'es amoureux, hein. Le plaisir des meufs. Putain, ça va rester, gros. Non, ça tu peux le modifier. Ah, je peux le modifier, je m'en fous maintenant, je pense comme ça. Non, mais fais-le. Tu peux le modifier, genre tu coupes juste cette partie, tu vois. Ouais, mais c'est ce qui va... C'est ce qui va peut-être le plus buzzer sur la chaîne, tu vois. Non, mais... Putain, sérieux, quoi. Ah, attends. Tu connais Chichi, quoi. Oui, je te connais, mais quand même, un peu de pitié pour ton ami, non? Ah bon, on est amis maintenant. Putain. Oui, je sais, je suis un enculé. Que des simples collègues youtubeurs. Non, mais t'inquiète pas, ça sera pas méchant. Je te ferai de la pub pour ta chaîne, je te mettrai ton lien dans la description. Non, mais... Je suis un enfoiré. Oui, t'as ma faim. Du coup, t'es tout gêné. Oh putain, mais t'as bien envoyé un message, tu mens. Ah ouais? Ça faut que je te le dise, ça fait en vidéo. Parce que moi aussi, elle m'a envoyé un message. Je devais t'en parler, tu vois. Je parle pas de la même que toi. Hein. Ah ouais, je tiens à préciser dans la vidéo, on ne se tape pas les mêmes meufs. Non mais elle m'a aussi envoyé un message. Ah mais ça t'es pas obligé de le dire. Imagine un jour elle retombe sur mes vidéos.
alors. Ah bah voilà. Elle va dire que c'est planifié. Age of Wonder Planet 4. Tu sais que les filles ils disent tellement de choses dans leur tête, tu vois. Enfin, vaut mieux pas que tu sois dans leur tête, ça sera un sacré bordel. Ouais. Et tu vois déjà ce qu'elles se disent, donc là, si en plus on commence à dire sans vidéo qu'elle retombe dessus, bah c'est bon, t'es mort quoi. Bah, elle a déjà vu la chaîne humour. Hein. Je suis en train de voir un. Le descriptif d'un jeu vidéo là, qui va sortir, je sais pas combien, moi bon, je crois qu'il coûte 50€ là au prix. Ah ouais? Ouais, 50€, là, ça s'appelle Age of Wonder Planet Fall, pardon. Donc, Age of Wonder Planet Fall est le nouveau jeu de stratégie signé Triumph Studio. Bâtissez votre empire avec une des 6 factions uniques disponibles de l'avant-garde. Militantes Amazones qui se déplacent à dos de dinosaures. Ok. En passant par les cyborgs de zombies de l'assemblée. Ok, ça part en couille. Ils sont quand même intéressants. Ouais. Bah, moi j'hésite à reprendre le arc, mais sur PC. En moins, tu vois, je serais sur PC sur le. Bah sur Arc, comme ça je suis pas obligé à chaque fois de recommencer et tout. Parce que là sur PlayStation des fois tu sauvegardes mais sauvegarde pas. Et pour la gestion ça va être quand même beaucoup plus simple, même pour mettre tes objets et tout. Je pense que ça sera plus simple sur PC que sur Play. Oh voilà. C'est ce que j'avais à dire. Bah y'a Cyril MP4 qui a fait une vidéo sur un jeu. Édité par justement ceux qui ont fait Arc et ouais, le jeu est affreux. Enfin il est affreux. Ouais, c'est Atlas, le jeu de pirate. Ouais voilà, bah Atlas. Ouais bah même super connard. Cyril, putain je garde son ancien pseudo à lui, c'est un truc de ouf. Non même Cyril il a fait une vidéo dessus. Ouais mais justement il avait fait une vidéo. Bah il se trouve il s'appelle Cyril MP4 même. D'accord. Il a encore changé. Waouh. Mais je sais que les arcs avec les dinosaures et tout c'est stylé. Maintenant Atlas je suis pas. Il me tente moins tu vois. Bah on a fini cette course, elle était comme. Attends, qu'est-ce qu'il fallait faire là? Coéquipier protégé avec du shield. Je me tape des pubs chelou sur Snap, comment c'est quand même violent. D'accord. Je vais peut-être couper la vidéo avant qu'on en parle. Si c'est trop chelou, ça peut faire peur à mes abonnés. Ah. Bah je pense parce que. Attends deux secondes. Je vais couper la vidéo, ce sera bien. Parce que si ça dérape un petit peu, on sait jamais. Hein. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était une petite surprise de Grézy. J'étais vraiment pas prévu qu'il arrive comme ça dans la vidéo. Mais bon, après, je trouve que c'était stylé, surtout pour le bonheur des dames. Allez, merci à tous de m'avoir regardé jusqu'au bout. C'était Sheikah.